Les Riders, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur Arc Aberration. Donc on continue, la dernière fois nous avons tame ce magnifique Spinosaur qui est juste là. J'ai fait de la reproduction, j'ai fait deux œufs avec, avec ma femelle. Mais aujourd'hui je vous avais promis qu'on irait visiter un peu plus profondément dans la zone bleue. Et pour ça il nous fallait notre Spino qui a bien régène depuis la dernière fois et qui a surtout augmenté de level hein, parce que avec le timing et tout. J'ai pas mal farm aussi de mon côté. Vous voyez, hein, j'ai récupéré des balles de... J'ai refait des balles de pompe, j'ai refait des balles mitrailleurs. En même temps, je suis juste à côté de ma base, hein, ça spawn. Attendez, il y avait un Spino là tout à l'heure. On ferme. Ça spawn juste ces deux ravageurs que je trouvais très très beaux. Du coup, j'ai pas pu m'en empêcher, je suis allé les tame. J'ai trouvé une méga technique pour tamer les ravageurs. Je vous montrerai ça dans un prochain épisode. Mais pour ça, faut un Carquinos. Donc j'avais utilisé mon Carquinos qui est juste là. Oh, excusez-moi. Mon Carquinos qui était juste là, qui m'a pas mal servi du coup, qui m'a bien aidé hein, dans ce petit ami. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Pour le moment, nous allons alors visiter la zone bleue. Pour ça, j'ai tout l'équipement qu'il me faut. Donc on va le mettre tout de suite. Hein. J'ai l'équipement anti-radiation. Attendez. Je vois pas le reste, il est là, le reste. Ok. J'ai trop de trucs dans mon inventaire. Ah, vous avez vu, j'ai re du métal aussi. Hein. Du coup, je suis parti farm. Et j'ai toujours mes torches. Pas de problème pour ça. Par contre, le masque, on me voit pas avec. Qu'est-ce qu'on me voit avec? Alors. Je comprends pas pourquoi on me voit pas avec le masque. Ça doit être un bug. Normalement, j'ai le masque. On le voit là, on voit tout le côté avec le masque. On va l'enlever pour le moment. On va l'enlever. Et après, on le remettra. Je vais laisser juste mon stuff de métal ici, à la base. Ou alors, je vais le laisser à la base. Il n'y aura pas de place, il n'y aura pas de place. Je vais le mettre dans un dino au pire. Je vais le mettre dans le petit bulldog qui est juste là. On va faire ça. Vous voyez, j'ai refait des balles. Hein. J'ai fait pas mal de choses en votre absence depuis la dernière vidéo. J'ai pas mal farm en vrai. Hein. Je me suis refait des darts. J'ai refait des darts améliorés. Par contre, ça se périme très très vite. Donc du coup, je les ai mis dans le frigo. Hein. Quand on ira tame quelque chose, je les ressortirai. J'en ai fait 20 et ça se périme tellement vite. Je vous dis qu'en même pas 2 minutes, j'en avais 19. Voilà, voilà. Donc ça craint un peu. Elles sont là. Regardez. Pour vous montrer, hein. J'en ai fait 20. Non, elles sont pas là. J'ai eu peur. Elles sont ici. Voilà. Dart amélioré, j'en ai 20 du coup. Ah bah oui, c'est vrai, c'est parce que je les avais utilisées. Vous voyez, j'ai 3 heures avant qu'elles se perdent. Donc ça risque d'être compliqué pour aller tamer quelque chose. Au pire, c'est pas grave, j'en referai. Oh merde. Oh, il y a un Spino juste à côté de la base. C'est quoi qui me bloque là en fait? En fait, c'est le Paracerf qui me bloque. Par hasard, le Paracerf, d'ailleurs, vous lui avez pas donné de petit nom. Mais on va l'appeler Bulldozer. Le Paracerf, il me bloque. Le Dada, il me bloque. Tout me bloque, quoi. Non mais là c'est vidéo gag là. Les amis, c'est vidéo gag. Putain. Bon, t'as fini de me bloquer là? Sérieux? Non mais oh. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait me rebloquer. Ah, les bugs de Arc. Il compte que je suis dans le mur encore. Alors déjà, t'es level combien? Parce que si c'est une femelle ou le... C'est une femelle, mais pas le... Il faudra toujours qu'on réessaye les NAS. C'est un coéloquent, là. Ouais, faudra qu'on réessaye les... Faudra qu'on essaye surtout les NAS. Ouais, je vais le tuer parce qu'il va me déranger. Voilà. Et du coup, on est parti dans la zone bleue. Bon, c'est rapide, vous avez vu.
je fais des dégâts juste en marchant avec mon dino. C'est bien ça. Hop là. Donc moi je me retrouve dans la zone bleue où on s'est arrêté la dernière fois là, vous savez, au niveau de l'eau où c'était irradié. Je vous dis à tout de suite, oh, les amis. Zone, donc je vous disais, la zone bleue, j'ai trouvé une petite chèvre. Level 50, et bah tu es trop kawaii. On va te prendre. Parce que tu es trop mignonne. Je vais la mettre en cryo. Reviens là. Oh ouais, t'es toute mimi toi. Alors j'espère juste qu'il n'y a pas de nameless. Ah par contre, le tremblement de terre, il commence à me saouler. Il est en train d'annuler tout. C'est quoi ça? Oh, c'est des perles. Qu'est-ce qu'il y a comme champignon? Non mais là... Il a pas envie que je récupère ma... Ma petite. C'est bon, on a la petite chèvre. Donc faut des champignons terreux pour les avoir, les petites chèvres, hein. C'est très très rare à trouver. Il va nous manquer plus du coup le... d'ailleurs je vais aller mettre mon masque moi. Il y a le masque, il y en a un là. Je suis sûr et certain qu'on prend des radiations. En fait que le masque et tout ça va nous servir pour pas prendre les radiations. Ah merde. Lumière. Regardez, là ils sont infectés. Ils font. Bah du coup, même le V65, je le tue quoi. C'est bien au moins. On va remettre mes champignons rouges là. Enfin mes champignons aquatiques. Champignons aquatiques, très pratique. On l'a trouvé au début du jeu. Hein. C'est très pratique pour se soigner. Enfin pour se donner à boire et tout. Et peut-être que l'électro... Non, l'électrophorus, on peut pas l'adopter comme ça, à mon avis. L'électrophorus, je suis... Il faudra, à mon avis, quelque chose. Oh, il y a un groupe de ravageurs, toi. Il y a bien dans le noir. Ah, bah, c'est là où j'avais trouvé mon truc d'obsidienne et tout. Donc, du coup... plus par où j'étais passé après. Je crois que je suis passé par en bas. Ah, ça doit être ça. Dragon rocheux. Pas le moment, gros. Allez, les patates. Les patates, c'est pratique. Ah, c'était par là. C'était par là. Ouais, c'était juste là, je m'en rappelle. Avec deux dragons rocheux. Plein d'électrophorus dans l'eau. On y est. Alors comment on fait pour passer? Sans que ces saloperies nous voient, hein. Les électrophorus, si jamais je me fais toucher, je suis derrière. Mais vraiment. Bon, on passe à la mode où elle est gay, non? Hop là. Et voilà, on se remet à quatre pattes. Ouais, on va continuer à visiter. Donc il y a deux chemins. Apparemment on pourrait remonter. Il y a encore de l'eau. Ou il y a un Carquinos par contre. Carquinos pas gentil. Donc apparemment il y a une rivière souterraine qui passe juste là. Il y a des ravageurs aussi. Putain, on les voit. Il y a encore un Carquinos avec un Sarco. Sarco, Carquinos peuvent s'entretuer. Un ragoût d'énergie. On
carquineux, ça va venir m'embêter à mon avis. Je sais pas trop où passer. En vrai, on aurait peut-être pu passer. C'est moi qui l'a gros là? C'est moi que t'as gros là. Oh, il est beau en plus, c'est quoi? Ouh, il tanque bien. Ah bah oui, il tankait bien. Je me disais aussi, il y avait un problème. Encore un. On va augmenter l'énergie un peu de notre bébête. Attendez, j'améliore juste un peu ses dégâts. Voilà. On va lui donner à manger. Alors vous voyez par exemple là, je vois, je prends des radiations, il y a marqué. Hein. Vous voyez en bas, je prends des radiations, donc à mon avis, mon armure doit prendre les radiations à ma place. Oui, c'est ça là. L'armure prend les radiations à ma place. Il y a des Kinderia là. Il y a des petits trilobites aussi. Ouais, c'est ça. Non. Putain, le con. Donc là, je prends des radiations. Vous voyez, il y a les petits 1 là qui marquent comme quoi je prends des radiations. Alors, je suis pas sûr que mon Spino prenne des radiations à ma place. Ah, ça descend vite, hein. Va falloir qu'on se ramène à chaque fois avec deux trucs. Bon, là, c'est juste pour tester. Hein. Donc, le Spino ne se prend pas de radiation. Ça, c'est bien. Ah, il y a du Dimétrodon aussi. Donc, le Spino ne se prend pas de radiation. À savoir, le Ravageur se prend des radiations. Parce que j'ai lu. Et là, on commence à s'enterrer dans les terres. Rose. Ouais, je me prends du 1 de dégâts. Et apparemment mon... Ok. Donc je me prends des sacrés dégâts là. Mais l'armure tank. Et ça me va. Si l'armure tank, ça me va, mais... Ah, il y a un souci. Hein. On va augmenter en résistance. Voilà, c'est juste une zone à traverser. Et moi, vous voyez, j'avais trouvé les cristaux. Rouge. Ah, il y en a là, des cristaux rouges surveillés par un. Donc c'est juste une zone à traverser et après on se reprend du 1. Continue. Ah, il y en a encore là, des cristaux rouges. Ok, d'accord. Je vais mourir. Aïe aïe aïe. Ok, les cristaux rouges, ça fait mal. On en prend vite fait. Et je remonte. Ça va aller, mon grand. C'est quoi ces arbres? On dirait des arbres. C'est des arbres, tout ce qu'il y a de plus banal. D'accord. On continue à visiter. Ah, dragon rocheux. Petit level. Allez, radiation. En fait... Les gros cristaux rouges. Ah merde. Alors, je sais pas ce que c'est ça, mais ils ont l'air nuls. Ok. Je sais pas pourquoi ils avaient l'air attirés par ma lumière. On peut aller par là ? On peut aller par là.
Ouh, il y a du pur Lovia. Alors par contre... Il doit y avoir un chemin pour descendre. Et remonter du coup. Ça paraît très logique. En vrai, j'ai envie de tester, mais là, l'armure est en train de prendre cher. Et ça va me coûter quelque chose de la réparer. Je sais pas trop en plus par où faut descendre. Et si jamais on peut pas remonter, je suis mort. Bon. On aura fait une jolie petite balade quand même. Ah, je pense qu'on peut passer en fait par là. Ouais, c'est ça, c'est par là qu'on peut passer. Intéressant à savoir. Dragon rocheux. La prochaine fois, on se préparera bien. Je vais faire plusieurs sets d'armure. Oh, encore un dragon rocheux. Ah, mais il y a un piou-piou là. Regardez. Lumineux, c'est ce que j'ai. Alors, en les trouvant dans ce biome là, je le sais, mais moi je les avais trouvés un peu plus haut dans les bleus. Mais il y en a encore là. Vite, on dégage. Ouh. Aïe, 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 aïe. Allez, 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 allez. Voilà, et là on est. Et là on a plus les rades. D'accord. Ouh. Ouh, le spawn. Elle avait pas trop pris cher, ça va l'armure. Mais ça descend vite, hein. Qu'est-ce que ça descend vite? J'ai entendu Nameless. Oh non, j'ai tué une petite chèvre. Ah, le monstre. Nameless. Lumière. Lumos. Allez-vous-en. Alors. Ah, donc c'est ça que je disais, on pouvait passer par là tout à l'heure. D'accord. Quoi, c'est pour revenir à là où on était tout à l'heure. Et nous on a fait tout le tour comme des boulets. Bon. Mais ça va pas à la tête. Bon. Bon, on aura fait une jolie petite balade. Prochaine fois, on ira s'enfoncer un peu plus encore. C'est plus drôle de faire ça que si je me mettais en mode, ouais, je vais me mettre en god mode, je vais être invincible et tout. Non, ça c'est pas drôle ça. Par contre, vous voyez à quel point les radiations font mal. Ah, bah là, je suis en rad. À mon avis, c'est à cause de l'eau ça. Ou alors c'est parce qu'on est très proche de la zone. Attendez, on va s'éloigner un peu. Choumi. C'est pour ça à mon avis. C'est parce qu'on est très très proche de la zone. Ouais. Attends, tonne de mégalosaures toi. J'ai envie de me rapprocher un peu. En vrai, j'ai très très envie d'explorer cette zone. Mais tu tombes là-dedans, t'es mort. C'est sûr et certain, t'es mort. En général, tout ce qui est violet, c'est pas bon dans les jeux vidéo. Il y a des gorilles. En fait, on sait à peu près. Mégalosaure, gorille, ça prend pas les dégâts.
Enfin, peut-être surtout le mégalosaure. En fait, les dinos irradiés, je pense qu'ils ne prennent pas tous les dégâts de radiation, du coup. Je pense que c'est pour ça. Parce qu'il y avait pas mal de spinos là-bas. Ah, mais je suis juste là, merde, le con. Fallait que je descende avec l'eau. La Luciole, elle a pas apprécié. Il y a un mégalosaure dans l'eau. Il est pas en train de se noyer, lui. Ah, mais je prends des dégâts, merde. Faut traverser vite. C'est pas le moment de faire pipi. Ou popo, je sais pas ce que tu faisais, mais c'est pas le moment. Il a trouvé le meilleur moyen. Je vais chier sur les électrophorus en passant. Bon, du coup les amis, je vais vous laisser. On aura fait une petite visite rapide, hein, malheureusement. Je suis désolé. Mais vous avez vu, c'est dangereux. Donc je reviendrai. On ira une autre fois bien équipé. On voit que le Spino y résiste au rad. Et on a bien fait de rentrer parce qu'il y a ça. Ouh, intéressant. Tiens, donne-t'en. Du mythique. Bon, j'ai au moins un bouclier. Un bouclier intéressant. Ah, là, il y a du violet. Là, le violet, on peut avoir des ascendants et tout comme arme. Ça pourrait être sympa. Alors, j'espère qu'on aura du ascendant. Non! Ravageur! Aïe, pute, ils m'ont fait mal! Aïe! Oh, hache légendaire! Ah bah, on commence à avoir du bon loot là! Putain, je les avais pas vus, les saletés! Elles m'ont fait trop peur! Ah merde! En général, cette musique-là, c'est pour les... Les Nameless. On va éteindre, hein, ça sert à rien. Faudrait que je trouve à peu près les spawns des objets... Des coffres. Moi, je pense que... Et vous savez quoi, on va aller faire un petit tour quand même. On va continuer à faire un petit tour et je m'arrêterai en chemin, je pense. J'arrêterai la vidéo quand on aura fini la promenade. Ça vous va? Je pense que ça pourrait être sympa. On n'est jamais allé par là-bas. Enfin, moi je suis jamais allé par là-bas, ça me dit rien. Il y a un sarco là. Casse-toi toi! Et j'ai envie de l'appeler Choumi le Spino. Il est trop rapide. Alors apparemment on peut encore descendre par là. Sérieux? Oh, il y a une zone bleue juste là. Toi, dodo. Alors, ça a l'air très très stylé. Ouais. Eh, j'avais jamais visité ici. Pourtant, c'est la zone bleue, mais j'ai jamais vu cette zone. Ça me dit rien. Moi. Eh, on peut encore descendre et tout. Je crois qu'on peut monter sur les arbres. Il a l'air d'avoir une lumière verte là-bas. Non, y'a rien. Bon. Ah, Nameless. Apparemment, j'en ai tapé. Regardez-moi ces petites saloperies.
Eh, je vous attends, venez prendre des baffes. Boum. Boum. Boum, des baffes. Et ils t'attaquent vraiment, les Nameless, hein. C'est fou comme ils sont agressifs. Hein. C'est fou comme ils sont agressifs, les bidules. Et ouais, c'est ça, on peut grimper. Oh là 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 là. Je suis sûr, du coup, en grimpant par là, on peut trouver... peut-être des nids de Rock Drake. Je sais même pas, en vrai. Je peux même pas vous dire. Apparemment, on est passé dans une zone de radiation, toi. Oh my god, c'est quoi tous ces cristaux, toi, la vache. Bon, y a un truc de... Y a... C'est des trucs de gaz. Attends, y en a trois côte à côte, là, des trucs de gaz. Ah bah je sais où je vais aller. Ah laisse tomber, j'ai trouvé. Oh, il y en a plus de 3 côte à côte. Il y en a plein. On fait un peu tout le tour, on visite un peu, hein. Bon après ça on connaît. Ou pas. Oh. Jelly. D'ailleurs, du coup, je vais revenir ici, moi, en hors-cam, et je vais aller me faire mes masses, petites boules de gaz gelées, là. Non, mais il y a une zone avec des cristaux. Est-ce qu'on peut au moins les farm? Ah, oh, ça serait tellement bien si on pouvait les farm, les gros cristaux, là, comme ça. Je pense pas, je pense que c'est pure déco. Ah, c'est pure déco. Nul! Nul, 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 nul. Pure déco. Mais ça, les boules de gaz, ça, je savais pas. Enfin, pas... Je savais pas qu'il y en avait, quoi. Ah, ça, c'est stylé, ça. Ah, bah, je sais où retourner. Je vous le dis tout de suite. Regardez-moi ces petits geysers, là. Il y a plein partout. Allez, let's go. Ah, c'est stylé. Méga dangereux. Donc là apparemment on prend des radiations. Je sais pas pourquoi tu prends des rades, mais tu prends des rades. Il y a les ankylosaures. Et du coup on peut passer d'arbre en arbre. Enfin il y a des grosses branches d'arbres qui te font passer d'arbre en arbre. Bon, en vrai, ça me donne envie d'explorer. Il y a un regroupement de mégalosaures, j'allais dire d'allosaures, mais c'est l'habitude, de mégalosaures juste là. Alors les amis, c'était pour vous dire comme quoi la vidéo va s'arrêter ici temporairement. La vidéo est en deux parties. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite de notre visite sur Arc Aberration. Bye bye.